peut-être temps de voir un petit peu de quoi nous allons parler ce soir. C'est vrai que habituellement, nous parlons du projet des moteurs de Hunor. Ce soir, ce n'est absolument pas le cas, dans la mesure où, vous le savez, Solar Group est une plateforme de financement participatif. Et quand on parle de plateforme de financement participatif, eh bien, il y a également donc du partenariat, c'est-à-dire on développe du business, et aussi on gagne de l'argent. Donc, du fait que nous gagnons de l'argent, eh bien, c'est quelque chose d'important aujourd'hui de savoir que depuis 3 ans déjà, Solar Group, eh bien, développe le partenariat. Et le partenariat permet tout à chacun de gagner effectivement de l'argent grâce au parrainage, donc au partenariat, au parrainage. Et dans ce cadre, eh bien, je vais commencer à vous présenter eh bien, cette soirée de présentation donc, de Solar Group. Alors, le temps de démarrer notre diaporama et d'essayer de faire le nécessaire. Voilà donc qui est fait. Je vous salue encore une fois tous les participants qui sont donc présents à ce webinaire. Sachez tout de même que la société Solar Group, par le biais d'un mécanisme d'investissement collectif, donc un financement participatif, organise le financement de certains projets d'investissement qui ont une forte intensité de croissance dans le monde entier et aussi une forte incitation écologique. Et pour la promotion de la formation des projets, la société utilise ce qu'on appelle un réseau international de partenaires. Pour la promotion et l'information des projets, c'est comme ça que ça se passe. Donc depuis 2017, eh bien, il se trouve que la société travaille avec succès sur l'organisation du financement du projet des moteurs de Hunor actuellement, mais grâce à un réseau de partenaires développé. Et les citoyens sont des citoyens de plus de 200 pays du monde et qui participent activement au projet. Donc, c'est avec joie que ce soir, eh bien, je vous propose ce webinaire et un programme de partenariat. C'est une forme de coopération commerciale entre, disons, une entreprise et des partenaires engagés, donc des personnes engagées, des personnes qui veulent faire des choses dans la promotion et dans l'information d'un ou plusieurs projets. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont se mettre en tant que partenaires vis-à-vis d'une société et qui vont promouvoir un produit ou un projet, ou plusieurs projets, en l'occurrence, si actuellement, je vous le rappelle, nous diffusons le programme des projets des moteurs du UNOF, mais que Solar Group est donc une entité à part, c'est une société qui existe depuis maintenant 3 ans, alors que le projet du UNOF, lui, a été initié par ASCPP et a démarré il y a une bonne quinzaine d'années déjà. Donc pour l'entreprise, le programme de partenariat, c'est le marketing le plus efficace parce que l'entreprise ne dépense pas de ressources humaines comme une quantité impressionnante de personnel pour faire de la publicité, car elle paye des commissions aux partenaires uniquement au résultat. C'est-à-dire qu'on va payer uniquement si les gens vont réaliser des ventes en quelque sorte. La société fournit tout le matériel et les outils nécessaires pour que les partenaires du monde entier travaillent efficacement, et cela dans diverses langues, et on va y revenir dans quelques instants. Chaque client inscrit ainsi dans le back-office donc de Solar Group a signé un contrat de partenariat et peut donc devenir partenaire. Par contre, il est vraiment important de signer ce contrat de partenariat. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour les gens qui veulent être uniquement investisseurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important. La société verse aux partenaires un pourcentage sur les achats effectués par les clients inscrits via son lien d'affiliation ou de parrainage. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle clairement que Solar Group vous paye, vous rémunère,
pour que vous puissiez promouvoir et vendre des parts de la société Sovelus. Donc, je voudrais revenir brièvement sur le marketing en lui-même. Alors, je vais revenir un tout petit chouïa en arrière, pardon. Les avantages du programme de partenariat sont qu'il est accessible à chacun, quelles que soient les possibilités de sa situation géographique. C'est vraiment important de se rendre compte d'une chose, c'est que partout dans le monde, vous pouvez pratiquer le partenariat. Les outils et les matériels que l'entreprise fournit pour le travail permettent de travailler à tout moment, de n'importe où dans le monde, et avec n'importe quel public, parlant n'importe quelle langue, parce qu'il y a beaucoup de langues qui sont proposées. Il est à préciser que les revenus passifs du partenariat est uniquement limité par le désir de chacun de gagner de l'argent. C'est-à-dire que si vous voulez travailler plus, vous allez gagner plus. Si vous travaillez moins, alors vous ne gagnez pas grand-chose. Et vous pouvez gagner avec l'entreprise très simplement et sans investissement. Ça, c'est quand même un petit peu plus dur parce que envisager de ne pas prendre de pack et de promouvoir le projet sans être impliqué soi-même et de savoir comment ça fonctionne, ce n'est pas vraiment le bon truc. Mais vous avez possibilité de le faire. Il vous suffit de recommander un excellent projet à un ami qui achètera des parts de la société plébiscitée et c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Donc, vous allez vous faire un revenu passif illimité et vous avez des horaires de travail absolument libres. En outre, pour les partenaires de Solar Group, il existe un plan de carrière. Selon les termes du plan de marketing, les partenaires sont divisés en 5 statuts. Donc, vous pouvez être partenaire ou spécialiste, ou master, ou expert, et pourquoi pas professionnel. Ces différents statuts vont bien évidemment, au fil du temps, vous rapporter beaucoup plus d'argent. Pour pouvoir passer de l'un à l'autre, nous allons voir ça dans quelques instants, et je vous propose tout de suite le plan de marketing, qui applique un marketing à plusieurs niveaux. Selon le statut, la motivation financière du partenaire augmente et plus son statut est élevé, on l'a vu tout à l'heure, et plus le pourcentage de commission, de la profondeur, de la structure est élevé. Alors, cela permet au partenaire de générer encore plus de revenus passifs et d'être intéressé par la création d'efficacité structurelle, c'est-à-dire de créer sa propre structure face au pourcentage qui sont proposés. Donc, vous voyez sur ce slide que nous avons 15% de revenus qui sont reversés, donc 15% de commission, ce qui veut dire que si vous parrainez une personne qui va prendre un pack de parts de la société qui est proposée par Solar Group, eh bien, vous allez percevoir 15% du montant que la personne aura payé. Si la personne paye des mensualités, eh bien, vous allez pouvoir recevoir des pourcentages en chaque mois, en chaque paiement, vous aurez donc des pourcentages. Pardon, je vous rappellerai que je suis en extérieur, si vous entendez quelques bruits. C'est tout simplement parce que je suis au Bénin et que je voudrais répète, il fait chaud et que nous vivons un petit peu dehors et que dans la rue, eh bien, il y a des véhicules qui passent. Alors, nous avons aussi 4% de gains sur la personne qui parrainera une autre personne. Donc, c'est quand même assez important. 2% aussi pour le niveau suivant et 1% pour le quatrième niveau en tant que partenaire. On voit également qu'ensuite, en tant que spécialiste, eh bien, tout cela augmente. On ouvre donc le cinquième niveau et vous voyez qu'il y a un petit décalage dans les chiffres. Dans la mesure, au deuxième niveau, on gagne déjà 5%, et puis 4%, et puis 2%, et 1%. Maintenant, en tant que master, vous allez gagner 15%, toujours au premier niveau, donc 7%, et 5%, 3%, 2%, 2%, 0,5%. Et là, vous voyez que là, ça augmente déjà de 2 niveaux supplémentaires, et que vous arrivez déjà jusqu'au 7e niveau.
et que, bien sûr, toutes les personnes qui rentrent dans votre structure vont vous permettre d'avoir des gains complémentaires. En tant qu'expert, vous gagnez également 15%, puis 7%, 5%, 4%, 3%, 1%, et ensuite c'est 0,5% sur les trois niveaux jusqu'au 10e niveau. Et à partir du moment où vous êtes professionnel, alors là, ça change encore un petit peu parce que du 10e au 20e niveau, vous touchez 0,3% sur tous les niveaux. Et là, en tant que professionnel, cela devient donc très, très intéressant. Alors, nous allons parcourir les différents statuts pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne, comment cela groupe rémunère ses partenaires, comment cela groupe vous permet de gagner de l'argent. Eh bien, en tant que partenaire, lorsque vous arrivez, donc, vous devez signer le contrat de partenariat. Donc, cela est quand même extrêmement important. Et c'est donc le statut, le premier statut que vous allez avoir, qui est donc celui de partenaire. Il a la possibilité de recevoir un bonus de partenariat sur chaque niveau de la structure. Et ainsi, on peut voir que au niveau 1, je vous le rappelle, vous avez donc 15% qui sont reversés. Donc, vous voyez qu'on a des possibilités très intéressantes par rapport à ce qui est proposé dans le plan de marketing qui implique donc ces plusieurs niveaux. Alors, afin d'obtenir le statut de spécialiste maintenant, eh bien, le partenaire doit investir personnellement dans le projet au moins 250 $. Alors, je voudrais parler d'un sujet qui est des fois un petit peu tabou, où certains de nos membres et personnes qui sont dans les structures ne comprennent pas toujours que le partenariat aussi demande de s'impliquer soi-même dans un certain montant d'investissement. Il existe des packs dans certains pays qui sont des packs de 100 $ et de 250 $. Qui clairement ne nous arrange absolument pas lorsque l'on fait du partenariat. Ce ne sont pas des packs très intéressants, mais dans certains pays, ils se sont fait une spécialité de prendre que ces packs-là. Ce qui est fort dommage parce que en fait, ils n'ont pas compris que on ne peut pas avancer avec un pack à 100 $ parce qu'on a déjà besoin minimum, vous voyez, pour passer spécialiste, d'avoir au moins 250 $ d'investissement personnel. Et si vous prenez un pack à 100 $, eh bien, en fait, vous ne serez jamais spécialiste. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez jamais possibilité de grimper et de gagner plus d'argent. Ce niveau étant très faible, on vous conseille quand même d'attaquer au moins, au minimum, un pack de 250, voire un pack de 500, parce que tout au départ, eh bien, ces packs de 100 $ et de 250 $ n'existaient pas. Et il a fallu que la compagnie souhaite apporter des avantages à certains pays pour voir apparaître ces fameux packs qui ne servent à rien. Je suis clair et net et précis et je ne vais pas passer par quatre chemins. Au niveau 1, au moins deux investisseurs doivent avoir investi eux-mêmes 100 $. Donc personnellement, là, vous avez investi 250 $. Puis, vous devez investir, donc avoir deux personnes qui ont chacun un pack de 100 $. Donc, vous avez compris que 2 × 100 $, ça fait 200, plus 250, ça fait au total 450 $. C'est donc avec ce niveau-là de perception de pack de la part de vos fidèles que le partenaire gagnera 15% au premier niveau, 5% au deuxième niveau, 4% au troisième niveau, 2% au quatrième et 1% au cinquième niveau de la structure parce que vous serez passé spécialiste. Vous voyez que vos gains à ce moment-là vont bel et bien augmenter. Voyons maintenant en tant que master. Le volume des investissements personnels doit être au moins 500 $. Donc vous voyez encore une fois que là, si vous aviez commencé avec un pack à 250 $, il faut au moins en avoir deux. Donc autant tout de suite attaquer avec un pack de 500 $. De telle manière à viser au moins déjà le statut de master et non pas d'essayer de bricoler et de n'arriver à rien du tout avec quelques petits packs de 100 ou 250 $ parce que
pour être master, il faut avoir investi personnellement au moins 500 $. Et puis au niveau 1, vous devez avoir 3 investisseurs avec un investissement personnel d'au moins 200 $ chacun. Donc là, il s'agit déjà de travailler un peu. Il s'agit déjà de rechercher des gens qui sont capables de mettre au moins 200 $. Donc déjà pas des packs de 100 $, parce que si vous arrivez encore une fois au bout du pack de 100 $, eh bien s'ils n'en prennent pas un deuxième, donc 10 mois déjà pour arriver au pack de 100 $, plus 10 mois, ça fait 20 mois. Donc votre statut de master, vous n'êtes pas prêt de l'atteindre. Donc encore une fois, il est important de trouver des gens qui vont prendre des packs intéressants, des packs d'au moins 500 $, c'est le minimum qu'on vous conseille. En tant que partenaire pour développer le business. Maintenant, pour être master, aussi une autre condition, c'est qu'il faut vous-même déjà avoir 500 $, plus 3 personnes à 200 $, ça fait déjà 600 en plus, ça fait 1100 $, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir 2000 $ en tout entre vous et tous les filiales du premier niveau. Et à ce moment-là, en tant que master, vous allez donc gagner 15% au premier niveau, 7% au deuxième niveau, 5% au troisième, 4% du quatrième niveau, 3% du cinquième niveau et 1% du sixième niveau de la structure, ce qui fait qu'effectivement, vous allez pouvoir progresser. Nous allons à présent passer au statut d'expert. Pour être expert sur la groupe, vous devez avoir un volume d'investissement personnel d'au moins 1500 $. Donc là aussi, il faut avoir pris un petit peu d'argent, c'est-à-dire avoir gagné un petit peu de bonus ou avoir investi personnellement un minimum pour que vous puissiez avoir ce statut d'expert qui est déjà un petit peu plus compliqué à obtenir. Le partenaire doit donc investir personnellement la somme de 1500 $. Dans le premier niveau de la structure, il doit avoir un minimum de 3 partenaires au statut de master. C'est-à-dire que ces personnes en tant que master, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, doivent avoir un investissement personnel de 500 $ chacun et doivent avoir accumulé 2000 $ dans leur premier niveau ainsi qu'eux-mêmes. Donc, en tant qu'expert, vous devez avoir... je vous le rappelle, 1500 $ personnels, vous devez avoir 3 masters et il vous faut avoir sur vous-même plus le premier niveau, avoir un minimum d'investissement de 5000 $ dans votre branche. Cela nécessite aussi beaucoup d'efforts supplémentaires parce que 5000 $, même si soi-même on en a déjà 1500, et puis qu'on a déjà 3 filles au moins qui ont mis 500 parce qu'ils sont master, ça fait donc 3000 et il vous faut encore 2000 $ pour d'autres filles du premier niveau pour atteindre le statut d'expert. Alors, le partenaire gagnera 15% du premier niveau, 7% au deuxième niveau, 5% au troisième niveau, 3% au quatrième niveau, 2% au cinquième niveau, et 1% donc du sixième niveau et 0,5% donc 1% de septième de niveau de la structure. Donc on a des catégories de la septième à la neuvième. Vous avez donc, je vous le rappelle, également un pourcentage qui est reversé. Nous passons au statut de professionnel. Personnellement, je suis dans cette catégorie. Il vous faut un volume d'investissement personnel d'au moins 5000 $. Donc, c'est-à-dire que là, vous gagnez déjà pas mal d'argent et vous pouvez investir et réinvestir constamment vos gains pour que vous puissiez atteindre au moins ce statut et avoir 5000 $ personnellement d'investi. Au niveau 1, au moins 3 partenaires avec un statut d'expert. Donc, il vous faut quand même 3 experts et il faut les aider pour que vous puissiez atteindre ce niveau. Et chaque montant d'investissement au niveau 1 doit être avec vous-même, donc les 5000 personnels, vous devez avoir au premier niveau 10 000 $ d'investi. Ce qui veut dire qu'en plus de 5000 $ personnels, vous devez avoir 5000 autres dollars qui sont versés.
Maintenant, c'est vrai que si on a des experts qui ont versé chacun 1 500 $ et qu'on doit en avoir 3, eh bien, le montant fait déjà 4 500 $. Donc, à 500 $ près, vous voyez que ce statut de professionnel n'est pas si compliqué que ça à atteindre à partir du moment où vous avez des experts. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir des experts dans ces cas-là. Alors, le partenaire va gagner 16% et non plus 15% au premier niveau, 7% au deuxième niveau, 5% au troisième, 4% au quatrième niveau, 3% au cinquième niveau, 1% au sixième niveau, 0,5% et 1% du septième au neuvième niveau. Voilà, on va y arriver. Et 0,3% donc du dixième au vingtième niveau de la structure. C'est vrai que souvent, quand on voit des plans marketing, il y a des gens qui disent ça n'existe pas, on ne peut pas avoir des plans qui vont jusqu'au 20e niveau, c'est impossible. Si, bah écoutez, c'est vraiment possible. Spécificité du programme de partenariat de Solar Group, il existe deux caractéristiques principales du programme de partenariat qui distinguent Solar Group des autres propositions ou autres partenariats qui existent. Il n'y a pas de limite au nombre d'inscriptions en première ligne. Il n'y a pas de risque de dépassement de la structure, ce qui permet de créer des équipes de plusieurs milliers de personnes pour atteindre des objectifs communs. Je voudrais préciser aussi qu'il n'y a absolument aucun binaire, donc tout ça c'est linéaire. Après la mise en œuvre du projet des moteurs du LOF, qui est le projet actuel que nous soutenons, les liens de référence resteront pour l'organisation du financement de nouveaux projets. Donc, ce qui veut dire que si le projet des moteurs du U9 se termine, parce qu'il doit atteindre un objectif à un moment donné, eh bien, par conséquent, vous allez pouvoir continuer à construire une entreprise maintenant avec Solar Group et vous le construisez pour des années à venir. Parce que la société a l'intention de récolter 250 millions de dollars dans les 5 années à venir, et soit vous faites effectivement partie du programme, soit vous ne le faites pas. Soit vous êtes dedans, vous êtes dans le bateau, comme on dit, ou alors vous n'êtes pas dans le bateau. C'est à vous de voir. Pour devenir partenaire et gagner aujourd'hui de l'argent, parce que souvent on a des gens qui posent des questions de savoir quand est-ce que les sociétés que nous promotionnons entrent en bourse, ce n'est vraiment pas la bonne question à poser, parce que les gens sont omnubilés par ce mot bourse et pensent que les choses vont tomber du ciel et que seul le mot bourse va leur apporter de l'argent. Moi, je pense qu'un certain nombre d'années d'attente, c'est long pour recevoir des retours sur investissement, et que c'est la raison pour laquelle Solar Group propose aujourd'hui du partenariat pour gagner de l'argent immédiatement. Donc, il faut déjà commencer par s'inscrire dans le back-office. Ça, c'est déjà la première des choses à faire pour les gens qui regardent peut-être pour la première fois cette présentation. Eh bien, il s'agit déjà de s'inscrire sur Solar Group. Donc, ensuite, il faut ouvrir la rubrique pour les partenaires. Ça paraît logique qu'il faille aller lire et signer le contrat de partenariat. Donc, ça paraît peut-être bizarre pour certaines personnes d'entendre dire cela, mais si vous saviez le nombre de personnes qui ont ouvert un compte Solar Group et qui n'ont jamais cliqué sur « pour nos partenaires » et qui n'ont jamais signé le contrat de partenariat, et qui donc ne gagnent pas d'argent. Ne gagnent pas d'argent aujourd'hui parce qu'ils ne parrainent pas, ils ne parlent pas du projet à d'autres personnes et n'inscrivent pas des gens en leur offrant par exemple des cadeaux, tels que c'est le cas actuellement. Donc, vous devez vous inscrire dans le back-office, vous devez ouvrir la rubrique pour les partenaires, lire le contrat de partenariat et bien sûr le signer. Après cela, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, toute la boîte à outils des partenaires s'ouvrira lorsque vous aurez signé le contrat de partenariat.
Et dans le back-office automatisé, vous trouverez du matériel de marketing nécessaire pour le travail, des liens de partenariat, un système de statistiques et d'analyse de la performance. Et en outre, la société fournit des informations et une assistance technique aux partenaires dans plus de 10 langues. Les partenaires participent régulièrement à des programmes éducatifs gratuits de la société pour améliorer leurs compétences. Cela se trouve dans le back-office. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, si vous n'avez jamais vu qu'il y a un service d'assistance sur le chat, sur la bulle en bas à droite, cela fait partie de l'apprentissage que vous devez avoir et de ce que vous devez apprendre pour maîtriser le back-office cela. Il y a également du matériel marketing. Bien souvent, on me demande à moi-même ou à mon assistante de balancer le PDF ou le PowerPoint d'explication donc du projet ou de balancer des documents, alors que les gens pourraient cliquer eux-mêmes tout simplement dans le back-office, dans la rubrique matériel, et tous les matériaux sont là, tout est là, téléchargeable, et on n'a pas forcément besoin de vous tenir encore la souris pour vous montrer comment cliquer sur les différents endroits pour télécharger les fameux documents que vous demandez à corps et à cri toute la journée. Il est vraiment important de découvrir son back-office, de chercher les liens qui sont à l'intérieur, de se rendre compte qu'il y a des outils qui sont là et que vous pouvez les utiliser chaque jour. Le back-office est également traduit en 21 langues. La société se fait un grand plaisir de signaler cela parce que c'est important. Vous avez même du hindi parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont inscrits sur la groupe. C'est d'ailleurs le deuxième pays celui qui investit le plus dans Solar Group, c'est l'Inde, après la Russie. Donc, vous voyez que c'est aussi important de préciser que nous avons également l'Indonésie qui s'est ouvert il n'y a pas tellement longtemps en partenariat national. Là aussi, il y a des langues qui sont italien, allemand, roumain, et voilà, beaucoup de langues, espagnoles aussi. Français, bien évidemment, pour mes amis francophones qui suivent mes péripéties. Maintenant, on va se familiariser avec les fonctionnalités du back-office qui sont très importantes pour les partenaires. La rubrique pour les partenaires est une rubrique, une sous-rubrique dans laquelle vous allez trouver le plan de marketing. Là aussi, on nous demande très souvent quel est le plan de marketing, combien on gagne d'argent. Alors, je viens de vous le détailler à l'instant, statut par statut, mais je vous montre que dans le back-office, vous avez ce plan de marketing qui est là, dessiné, tel qu'il est là sur mon écran. Donc, la rubrique pour les partenaires, la sous-rubrique ensuite, il faut que vous cherchiez dans le menu, suivant que vous soyez sur un smartphone ou que vous soyez sur un ordinateur, ce n'est pas situé forcément au même endroit. Sur un smartphone, vous avez en haut à droite les trois petits traits bleus. Voilà, et c'est ces trois petits carrés bleus avec des petits traits à l'intérieur que vous devez cliquer pour dérouler le menu. Et puis ensuite, vous avez la rubrique pour les partenaires. Et vous allez cliquer dessus. Après, vous avez un sous-menu, c'est-à-dire que vous avez un autre menu qui s'affiche en gris dans l'autre sens. Et ce menu en gris qui se met dans l'autre sens affiche votre statut de partenaire actuel, ainsi que le tableau de motivation financière pour les différents statuts. Ainsi, vous pouvez aller cliquer sur le plan de rémunération. Ensuite, dans le plan de marketing, vous avez les différents statuts que nous avons passés en revue tout à l'heure. Et on vous donne ici l'image de ce que vous voyez dans votre back-office. C'est-à-dire que vous avez toutes les explications que je vous ai données tout à l'heure, les unes après les autres, spécialistes, masters, experts, professionnels, avec les différents niveaux, et les différents moyens d'investissement, les différents PL que vous devez avoir pour accéder à différents statuts.
Donc, dans la rubrique pour les partenaires, la sous-rubrique, c'est lien de partenariat. Là, on va accéder au lien de partenariat dans quelques secondes. Là, je vous montre le certificat qui vous donne également votre statut, parce que à chaque fois que vous allez changer de statut, donc spécialiste, master, expert, professionnel, à chaque fois que vous allez avoir un certificat qui vous permet de voir quel statut vous avez. Donc, ces documents sont également donc dans la rubrique pour les partenaires. La sous-rubrique, c'est contrat de partenariat, onglet certificat de partenaire. Je répète donc que selon la qualification obtenue, le partenaire reçoit un certificat qui se trouve dans la rubrique documents, sous-rubrique contrat de partenariat et onglet certificat de partenaire. Je rappelle que c'est de la rubrique documents. D'accord ? Voilà, rubrique documents. Vous avez également le contrat de partenaire. Le contrat de partenaire se trouve également dans la rubrique des documents. Dans ces documents, vous avez donc le fameux contrat de partenariat que vous pouvez télécharger. C'est vrai que tout au début, lorsque vous rentrez et que vous signez le contrat de partenariat, après on a un peu l'impression que ce contrat de partenariat a disparu. Or non, ce contrat de partenariat se situe effectivement dans mes documents. Donc vous cliquez sur mes documents et vous allez pouvoir retrouver ce contrat de partenariat que vous avez signé tout au début lorsque vous êtes entré dans le projet. Nous allons parler à présent des liens de partenariat. Dans la liste de liens, vous avez donc également dans cette rubrique la génération de liens. Donc la sous-rubrique, c'est liens de partenariat. Donc pour les partenaires, donc, vous avez liste des liens, génération du lien et vous avez système d'analyse. Donc on va voir les trois rubriques à quoi elles correspondent. Sachant que vous avez donc, comme vous pouvez constater, plusieurs liens de partenariat. Je vous conseille de les copier, de les mettre sur une page à part et de fermer votre back-office. Parce que si vous cliquez sur un lien de partenariat vous-même et que vous avez en quelque sorte ce lien qui se redirige vers votre propre back-office, c'est un peu comme si vous rentriez chez vous. Donc il est vraiment important de considérer que les liens de parrainage, vous devez d'abord fermer votre back-office, quitter, déconnecter et ensuite tester les différents liens de parrainage pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que va lire réellement la personne qui va cliquer sur votre lien de parrainage à l'avenir. Donc, selon l'offre, le lien doit conduire à une landing page qui est appropriée. Donc, vous avez différents landing pages. Une landing page, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Pardon, je bois un petit coup. Et sur ces pages, il y a des explications qui sont données sur le projet des moteurs de YouGov. C'est le projet que ce groupe développe actuellement. Mais c'est grâce à ces landing pages que les gens vont pouvoir s'intéresser au projet et vont souhaiter investir à ce moment-là pour que vous puissiez gagner, bien sûr, de l'argent. Donc, dans la même rubrique ici, dans les liens de parrainage, liens de partenariat, vous avez, vous le voyez, sur l'onglet du milieu, génération du lien. Donc, vous pouvez ici cliquer sur cette sous-rubrique et vous avez donc ici possibilité de créer un lien avec des paramètres plus détaillés et afficher des mesures pour une analyse plus approfondie de l'efficacité de la campagne publicitaire. Donc oui, il y a des gens qui effectivement n'ont pas compris qu'il fallait dans Solar Group partager le lien de partenariat pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a des gens encore qui nous disent « mais je n'avais pas compris cela, je n'avais pas compris que je devais faire de la publicité, je n'avais pas compris que je devais faire des campagnes publicitaires pour attirer des gens, je n'ai pas compris qu'il fallait partager des liens dans des groupes, dans des forums, pour pouvoir attirer d'autres personnes. »
Les statistiques affichent des indicateurs tels que les transitions, les inscriptions, le montant des investissements des clients inscrits via ce lien-là, le montant des investissements, le nombre de partenaires parmi eux, le montant des bonus de partenariat. Donc vous voyez que c'est assez pointu et que vous pouvez faire des liens que vous pouvez créer vous-même en spécifiant le nom, en sachant que, par exemple, celui-là, vous l'avez mis sur Facebook, un autre, vous l'avez mis sur Skype, un autre, vous l'avez mis sur Telegram, un autre, vous l'avez mis sur WhatsApp. Et vous pouvez leur donner des noms de telle manière à ce que vous sachiez d'où proviennent les gens que vous avez promotionnés. Là où vous avez promotionné, vous avez donc chaque fois un lien différent. Et ce lien différent vous permet de faire des analyses et de savoir lequel est le plus porteur et lequel est le plus intéressant. Si vous mettez partout le même lien, vous pouvez, ce n'est pas un problème. Si vous ne voulez pas faire d'analyse, vous pouvez très bien utiliser qu'un seul et unique lien, qui est le lien généré. Mais là, vous avez quand même des outils qui vous permettent ici de générer des liens personnalisés pour que vous aussi puissiez analyser ce que vous faites. Et on est déjà là dans un domaine un peu plus pointu où effectivement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a des professionnels, on peut travailler en professionnel avec des outils de ce labo. Vous avez également une liste de métriques ajoutées. Il s'agit en fait de pixels, par exemple pixel Facebook ou Google Analytics. Si vous avez un site internet que vous utilisez, vous pouvez par exemple mettre le pixel Facebook ou aussi avoir Google Analytics pour calculer, regarder d'où viennent les gens, de quel pays, quelle est la majorité des gens qui visitent votre lien, votre site internet, etc. Et tous ces outils permettent d'analyser et de cibler un peu plus votre vos prospects. En fait, vous pouvez faire de ce qu'on appelle du tout venant, ou alors vous pouvez utiliser des méthodes un peu plus professionnelles et cibler des gens dans une catégorie de gens, par exemple des électrotechniciens pour le projet de UNOP, ou peut-être des gens qui sont dans une certaine catégorie socio-professionnelle, parce que vous recherchez des investisseurs qui ont plus d'argent que d'autres, etc. Vous voyez, toutes ces analyses et tous ces outils qui sont là dans le back-office servent, mais la plupart des gens, la majorité des gens ne les voient pas et ne les utilisent pas. Et c'est fort dommage parce que vous devriez apprendre, il existe des formations dans ce domaine pour apprendre à utiliser ces outils, notamment le pixel Facebook. Vous pouvez chercher même des tutoriels YouTube sur lesquels se trouvent très certainement des explications sur l'utilisation de Google Analytics ou de Facebook Pixel. Bon, Yandex Metrica est peut-être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué à utiliser pour nous parce qu'on ne pratique pas forcément la langue. Mais en tout cas, Facebook Pixel et Google Analytics sont des outils très intéressants. Dans la sous-rubrique s'inscrire, ah oui, alors c'est marqué s'inscrire, mais c'est pas s'inscrire, c'est inscrire. Alors voilà, on va essayer de faire changer ça à la compagnie. Donc c'est inscrire, eh bien se trouve le formulaire d'inscription d'une personne. Donc vous pouvez inscrire vous-même des gens à partir de votre back-office. Par contre, vous l'avez très certainement remarqué et entendu parler, c'est qu'il existe aujourd'hui possibilité d'offrir 100 parts gratuitement, 100 parts du projet de l'UNO, en utilisant ce que l'on appelle le cadeau. Donc le cadeau en question, il s'agit de 100 parts, mais vous allez aussi pouvoir obtenir 100 parts vous-même. C'est un nouveau processus qui existe et il s'applique dans la mesure où vous avez ici, vous voyez, cadeau pour un ami, faire un cadeau à un ami et vous mettez son nom, son prénom, son adresse email et vous rentrez son numéro de téléphone. Alors parfois, lorsque vous inscrivez des gens comme ça, il faut faire attention à ce que les gens ne sont pas déjà inscrits. Il arrive malheureusement que beaucoup de gens inscrivent s'inscrivent ou se réinscrivent deux fois, trois fois, quatre fois, on ne peut pas utiliser la même adresse email et on ne peut pas utiliser le même numéro de téléphone deux fois. C'est volontaire parce que les gens
irait créer 5, 6, 10 comptes juste pour avoir 100 parts gratuites. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut un minimum de sérieux. Cela groupe c'est une société sérieuse. Nous ne faisons pas de schéma de Ponzi ou autre schéma du genre. C'est quelque chose de sérieux. Donc, vous pouvez inscrire des gens et gagner 100 parts vous-même, mais offrir aussi 100 parts à un ami. Cette personne que vous allez inscrire, eh bien, en fait, vous allez pouvoir lui renvoyer l'email, car souvent, et surtout en ce moment, on nous dit que l'email n'arrive pas. Sauf que cet email arrive en fait dans la rubrique promotion de Gmail. Et Gmail, lorsqu'on rentre dedans, on ne voit pas la rubrique promotion, on doit la chercher. On doit aussi s'appliquer à chercher l'email en tapant par exemple dans les recherches de Gmail Solar Group. Parce que les gens ne cherchent pas. Ne cherchent pas, ils ouvrent juste Gmail et ils disent « j'ai pas reçu le mail ». C'est tout. Ils ne vont même pas cliquer quelque part, ils disent simplement « je ne l'ai pas reçu ». Donc, c'est important de aussi savoir, en plus du back-office, savoir utiliser son Gmail, savoir utiliser son Hotmail, savoir utiliser son live.fr.com, que sais-je. Toutes sortes d'adresses email, vos adresses email sont faites différemment et les boîtes Yahoo aussi. Ça arrive dans les spams. Donc, les gens ne cherchent pas dans les spams. Ils disent, j'ai pas reçu le mail, tout simplement. Et j'ai aussi regardé dans les spams et ça y est pas. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas regardé ou ils n'ont pas tapé dans les recherches. Cela groupe. Vous voyez? Alors, donc, vous pouvez offrir ces 100 parts gratuitement. Je voudrais juste préciser une chose encore. C'est que quand on offre 100 parts, vous devez demander à votre filleul de faire la vérification de son compte dans les 30 jours. Si la personne ne fait pas la vérification du compte dans les 30 jours, vous allez tous les deux perdre les 100 parts. Et là, dernièrement, maintenant, ça se voit dans le back-office pour rendre les gens plus attentifs à la chose. Eh bien, il y a des gens qui ont perdu des parts et ils pensent que ça s'est déduit de leur pack. Ça n'a rien à voir. Si vous avez offert 100 parts à quelqu'un, vous aussi, vous recevez 100 parts cadeaux. Donc, si on vous les déduit, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas incité votre filleul à faire sa vérification. Vous voyez? C'est ça le hic. C'est ça qui fait que vous allez perdre 100 parts vous-même. Mais ces 100 parts, elles vous ont été attribuées gratuitement dans la mesure où maintenant, vous pouvez offrir à 50 personnes par mois, 50 personnes par mois, vous pouvez offrir 100 parts gratuites et vous aussi gagner 100 parts gratuitement. Fois 50, ça fait combien? 5000 parts à gagner chaque mois gratuitement si vous faites du parrainage et du partenariat avec Solar Group. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il y a également dans votre back office la structure. La structure de client, c'est quelque chose d'important. Parfois, on nous dit « je ne vois pas mes filleuls, où sont donc mes filleuls ? Je voudrais les voir, je voudrais les visualiser et donc montrez-moi où se trouvent mes filleuls. » Donc, vous devez aller dans la rubrique « pour les partenaires » et là, vous allez trouver la structure de clients. C'est la sous-rubrique qui se trouve juste dans l'autre menu. En fait, le menu gris que vous devez aller voir. Et là, la structure des clients affiche une liste complète des clients inscrits avec des indicateurs clés tels que les coordonnées, le montant des achats ainsi que la présence du paiement en retard sur les packs, les petits ronds que vous voyez là qui sont de couleur, ce sont les packs. Mais ceux qui sont juste à côté avec un espèce de « i » dedans, eh bien, si vous passez la souris dessus, vous allez voir le retard que votre filleul accumule sur les packs achetés. Le nombre de clients que vous avez dans la structure et la date de leur inscription apparaît également dans cette structure de clients. Il est possible de filtrer tout cela par des paramètres proposés tels que le statut. Vous pouvez aussi afficher le pays de citoyenneté,
les gens qui ont du retard, que les gens qui ont du retard, etc. Vous pouvez trier tous les gens comme ça dans la structure de clients et structure de partenariat. C'est quand même une rubrique très intéressante à pignoler, à consulter. Et en plus, vous voyez à gauche les petits onglets. Eh bien, ces petits onglets, lorsque vous cliquez dessus, vont vous permettre de visualiser les sous-filleuls, c'est-à-dire les filleuls de vos filleuls. Vous allez pouvoir les visualiser uniquement par le nom, prénom, mais vous n'allez pas avoir leurs coordonnées pour éviter que vous puissiez utiliser ces coordonnées pour d'autres business. Nous avons également une structure de graphisme. La structure des clients qui est au niveau de la géographie des pays. Vous pouvez voir les statuts aussi à droite sur le graphique et à gauche la citoyenneté et le nombre de personnes que vous pouvez avoir dans la structure. Là aussi, c'est très intéressant parce que selon le pays dans lequel ou les pays dans lesquels vous allez travailler, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de filleuls dans ce pays-là ou vous allez axer votre partenariat et votre publicité sur un pays bien précis. Et à partir de là, eh bien, vous aurez la chance d'avoir des chiffres qui augmentent et qui grimpent et de voir si vous devez cibler un peu plus un pays ou un autre en fonction des différentes statistiques qui vont se retrouver dans cette rubrique d'informations détaillées sous la forme d'un graphique rond indiquant donc le statut des clients et la nationalité, ainsi que le montant des packs achetés. Là aussi, vous avez des montants qui peuvent être indiqués. Ensuite, on a une autre rubrique de statistiques. Donc, les statistiques de cette même sous-rubrique affichent les informations générales de la structure, c'est-à-dire le nombre de clients inscrits, le nombre d'inscrits en première ligne, le montant payé des achats dans la structure et le montant des paiements attendus à l'avenir. Ce sont des chiffres très intéressants. Donc, vous pouvez savoir combien vous allez gagner à l'avenir avec Solar Group, dans la mesure où tous les gens vont payer les packs. Ça vous donne des indications très pertinentes pour savoir si, par exemple, vous pouvez racheter un pack, savoir que vous allez gagner de l'argent. Moi, je vous donne un conseil, considérez un tiers en moins. Donc, admettons que vous avez 21 000 $ de prévision de gain, eh bien, enlevez-en 7 000 et tablez sur 14 000. Et là, vous pouvez acheter un pack de 14 000, de 12 500, par exemple, en toute tranquillité, sachant qu'avec les gains que vous allez percevoir, vous allez pouvoir intégralement payer ce pack. Prenez cette petite marge de sécurité, ne pas prendre des packs peut-être plus gros. Souvent, on voit plus gros que son ventre, comme on dit. Eh bien, soyez sage. Voyez ce que vous pouvez gagner dans les statistiques-là. Voyez le montant de bonus de partenaires compte tenu du paiement des tempéraments attendus. C'est la dernière ligne. Eh bien, ce montant, eh bien, ici, vous voyez, par exemple, il y a marqué 38 846 $. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever un tiers. Donc d'enlever au moins 10 000, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on va gagner environ 21 000 $. On est donc susceptible de prendre un pack entre 20 et 25 000 $ si on a ce montant qui s'affiche, sachant que le reste, c'est de la marge qu'il ne faut pas utiliser. C'est un conseil personnel que je vous donne. Il faut savoir raison garder, comme on dit, et pour cela, on ne doit pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et utiliser les statistiques pour être sûr, parce qu'il y a des gens qui abandonnent, des gens qui ne payent pas, qui sont en retard. Ça représente en gros un tiers des gains qui s'affichent là en bas. Donc, c'est mon conseil du soir. Vous avez également dans la troisième rubrique un graphique que vous n'avez très certainement jamais vu. Je vous avouerai que moi-même, j'ai dû aller jeter un coup d'œil parce que je ne l'avais pas vu non plus. Pourtant, cette rubrique, c'est dans le compte de partenariat l'onglet prélèvement de partenariat. C'est le partenaire voit donc les indicateurs quotidiens et mensuels de son revenu.
divisé en deux parties, où le rouge affiche les bonus pour les packs inscrits un peu plus tôt dans la période, et le bleu, les bonus pour les nouveaux achats de packs des filles. Ainsi, vous pouvez analyser votre efficacité et vos revenus et vous rendre compte qu'il y a des gens qui continuent à payer, mais vous en avez aussi des nouveaux qui ont pris des nouveaux packs. Et dans cette rubrique, selon le cas, si vous avez fait des retraits, vous allez également voir les retraits que vous avez faits en jaune. Donc là, dans mon image, il n'y a pas cela, mais je peux vous dire que cela existe également. Allez jeter un coup d'œil dans cette petite rubrique qui est une sous-rubrique donc des statistiques et qui est, ma foi, très intéressante. Alors, il y a bien sûr possibilité de retirer l'argent du compte de partenariat. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et quand on dit qu'on peut gagner de l'argent tout de suite et immédiatement, sans être obligé d'attendre 3 ans des retours sur investissement que vous avez réalisé, eh bien, vous avez possibilité de retirer les gains. Maintenant, c'est vrai que mon image ici vous montre un historique de retrait, notamment sur une carte Mastercard. Sachez que cela n'existe pas. C'est une erreur. Ça n'existe qu'en Russie et ça n'existe pas du tout ailleurs. Donc, ne vous fiez pas à ce que l'on puisse retirer sur une carte Visa. Il existe des cartes Visa avec lesquelles on peut retirer qui sont associées à des comptes Bitcoin. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut utiliser une carte Visa, mais pas autrement. Voilà donc les possibilités que vous avez de retirer de l'argent à chaque fois. Alors, il y a un seuil minimum, il me semble qu'il est aujourd'hui de $50, et on ne peut pas retirer en dessous de $50, mais si vous avez des bitcoins, par exemple, que vous utilisez, sachez également qu'il y a des frais. Il y a $15 plus 1%. Donc, si on veut retirer de l'argent, il y a également quelques frais. Vous avez Perfect Money aussi. Vous avez Payeer, je crois, que vous pouvez retirer. Donc, ce sont toutes les possibilités que vous avez pour retirer de l'argent dans votre propre poche. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'on gagne de l'argent avec Solar Group et pensent que ce sont des monnaies virtuelles ou des monnaies de singes et que cela est faux. Non, vous pouvez gagner des dollars. Ces dollars, vous pouvez les transformer dans votre monnaie locale et vous pouvez, en tout état de cause, le mettre dans votre poche et le dépenser à bon escient dans les magasins pour vous acheter vos cadeaux de Noël ou manger tout simplement. Donc, le partenaire voit les indicateurs quotidiens, donc mensuels, voilà, pour retirer les bonus de votre compte, Perfect Money, Payeer, Bitcoin, PassaPay, Revolut. La fonctionnalité est disponible dans la sous-rubrique compte de partenariat, l'onglet retrait, et la fonctionnalité vous permet de choisir non seulement les détails du compte électronique vers lequel vous souhaitez faire une demande de retrait, parce que ça aussi, il faut remplir les rubriques pour qu'on sache sur quel compte il faut le verser. Des gens qui disent « Ah, mais ça va arriver sur mon compte en banque ». Non, chers amis, il y a des comptes qu'il faut spécifier, soit Bitcoin, soit Payeer, soit Perfect Money, etc. Ensuite, vous avez également un autre onglet qui s'appelle « Les transactions ». Là aussi, les transactions, c'est quelque chose d'important et d'intéressant à savoir parce que parfois, on se demande si un filleul a payé. Et combien on a gagné sur ce fil. Ici, vous pouvez voir sur le slide que, par exemple, en première ligne, il y a $6 qui ont été versés en commission. 2$ sur la deuxième. 1$, 0,5, 0,05, 0,1. C'est très variable en fonction du statut que vous avez. Et si vous avez du 16%, 15%, 4%, 3%, 7%, 1%, 0,3%, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, tout ça, ça joue sur le montant que vous allez recevoir et vous pouvez voir chaque transaction, chaque fois que vous avez gagné de l'argent. Parfois aussi, il y a des gens qui nous disent « Oui, moi, je ne sais pas combien j'ai gagné d'argent. J'ai mon filleul, il a payé, mais je n'ai rien vu. » Mais si peut-être votre filleul est dans une branche assez lointaine, peut-être que vous n'avez même pas vu que vous avez gagné 0,05.
c'est des fois minime, et vous n'avez pas vu que cet argent vous a toutefois été versé malgré ce que vous étiez en train de dire. Donc là, vous avez des détails sur les transactions du compte Solar Group où s'affiche la liste des bonus et des retraits ou des transferts, sachant que vous pouvez transférer également l'argent. Et on va voir ça tout de suite. Alors, on nous pose aussi souvent la question de savoir si on peut transférer de l'argent d'un compte à un autre et si c'est gratuit. Donc oui, c'est gratuit. Vous pouvez transférer de l'argent de votre compte de partenariat ou de votre compte principal. Donc les deux sont possibles, aussi bien du compte principal que du compte de partenariat. Vous pouvez transférer cet argent à une autre personne à condition que cette personne ait signé le contrat de partenariat, le contrat d'investissement. Le contrat d'investissement, je précise. Et donc, vous pouvez envoyer cet argent à une autre personne et elle le recevra par contre sur ce compte principal, pas sur son compte bonus. Donc, vous pouvez soit envoyer de l'argent du compte principal, soit envoyer de l'argent du compte de bonus de partenariat. Les deux sont possibles. Pour cela, vous devez renseigner déjà quel compte vous voulez débiter. C'est la première chose à faire. Vous voyez à droite, il y a marqué « Compte ». Vous avez un petit onglet à droite et ce petit onglet à droite vous permet de descendre et de cliquer à ce moment-là « Compte de partenariat ». Si vous n'avez pas d'argent sur le principal, ça ne va pas fonctionner. Et donc, il faut obligatoirement d'abord passer par le compte que vous sélectionnez. De quel compte voulez-vous envoyer l'argent ? Ensuite, vous mettez le montant dans le montant du virement. Dans la case, ce n'est pas compliqué, il suffit de mettre le montant. 50 dollars, 100 dollars, 52 dollars, 2 dollars, 3 dollars, 6 dollars, 10 dollars, 1200 dollars. Vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir ce que vous voulez transférer à la personne qui vous voulez envoyer de l'argent. Ensuite, vous indiquez l'email du destinataire. Attention, l'adresse email ne doit pas comporter de majuscules. Tous les emails sont constitués de minuscules. Donc, ne mettez pas de majuscules dans cette case. Sinon, on risque de vous dire que la personne n'existe pas. Et puis, vous allez cliquer sur le bouton qui vous permet de rechercher le destinataire. Vous devez cliquer sur le bouton qui permet de rechercher le destinataire. Et ensuite seulement, vous allez pouvoir virer l'argent. Alors, c'est bizarre, mais ce bouton n'apparaît pas sur mon slide. Pourtant, ce bouton existe bel et bien. Dans les transferts de fonds, vous allez faire bien attention quand vous allez mettre l'adresse email du destinataire. Il y a un bouton qui va s'afficher pour vérifier le destinataire. Et vous devez voir son nom et son prénom qui s'affichent pour pouvoir ensuite virer. Vous cliquez sur le bouton qui marque « J'accepte les conditions du virement » et vous cliquez sur « Virer » et l'argent est immédiatement transféré à la personne à qui vous avez voulu faire ce transfert d'argent. Alors, nous avons également dans les transferts de fonds, et je n'en ai pas parlé sur le slide précédent, vous avez ici la rubrique sur le compte principal. Donc, là aussi, on doit pouvoir savoir utiliser l'argent qu'on a gagné pour pouvoir payer ses packs. Pour cela, vous devez transférer les fonds vers votre compte principal. Et pour transférer ça vers le compte principal, vous cliquez sur la rubrique sur le compte principal. Et là, vous mettez juste le montant et vous cliquez sur virer et votre argent se retrouve au compte principal pour pouvoir l'utiliser pour acheter des packs. Pardon, je prenais un petit peu d'eau. Alors, maintenant que nous avons vu les virements, nous allons voir l'assistance technique sur le projet. La sous-rubrique questions-réponses, sur le projet, à propos du projet, questions-réponses et guide vidéo, ce sont des rubriques également que les gens ne voient pas et ne regardent pas. Vous avez donc des outils qui sont pratiques
pour que vous puissiez travailler efficacement avec les clients et répondre à leurs questions, la société a préparé une rubrique assistance technique dans la sous-rubrique à propos du projet. Donc, c'est dans à propos du projet, des informations complètes sur le projet des moteurs du U9 sont collectées et structurées de manière pratique pour que vous puissiez répondre aux différentes personnes qui vous posent des questions. Et quand on nous dit où c'est qu'on trouve les explications, donnez-nous des documents, montrez-nous où c'est. Encore une fois, il y a beaucoup de rubriques dans le back-office. On vous conseille vraiment d'aller les visiter. Alors, la rubrique questions-réponses, par exemple, comment contacter le support technique, comment on change les détails des téléphones, de son adresse email, etc. Tout ça, ce sont des rubriques qui existent et les questions-réponses qui sont là. Là, elles sont parfois en anglais, parfois elles sont en français. Mais vous savez bien, aujourd'hui, avec Google Traduction, ce n'est pas très compliqué. Et puis, vous pouvez chercher un petit peu. Ce n'est pas extrêmement compliqué de pouvoir récolter cette information. Vous avez également des guides vidéo, comment alimenter le compte principal d'investisseurs dans son back office. Ce sont des vidéos qui sont en russe ou parfois en anglais, mais vous pouvez les sous-titrer facilement avec YouTube. Vous mettez le sous-titrage français et ça vous donne les indications dont vous avez besoin. Comment alimenter le compte avec Tether, comment profiter de l'option double paiement. Vous voyez, il y a des guides vidéo, il y a des questions et des réponses. Tout ça contient des informations sur le projet dans le format vidéo ainsi que des instructions vidéo sur l'utilisation du back office. Ensuite, passons dans la rubrique pour les partenaires. Et là, quand je vous disais qu'il y avait du matériel qui existe et que la plupart des gens nous posent des questions de savoir où sont les PDF, comment on peut télécharger les PowerPoint, et bien tout ça, ça se trouve dans la rubrique matériel de travail. Vous avez les speaker kits qui contiennent le matériel pour les présentations du groupe, des webinaires dans les différentes langues. Ces documents, il suffit de cliquer sur télécharger et vous les avez tout de suite soit dans votre smartphone, soit dans votre ordinateur. Trop souvent, on nous demande ces outils. Or, ils sont là juste sous votre nez. Mais vous préférez demander dans les forums et vous préférez qu'on vous livre tout comme du pain béni. Alors que vous avez un back office dans lequel se trouvent des boutons où vous avez juste à cliquer dessus et ce document se retrouve téléchargé dans votre smartphone. Alors que vous les demandez sur WhatsApp, sur Telegram et vous attendez et quand on ne vous les donne pas assez vite, vous râlez en disant « mais c'est quand que vous me donnez le document ?» Alors que ce document, il suffit de rentrer dans votre back office et de le télécharger vous-même et vous l'aurez trois fois plus vite. Alors, voilà, ce sont un petit peu des choses que les gens ne voient pas. Passons à l'autre rubrique, présentation du projet des moteurs du U9. Là aussi, vous avez une présentation complète dans toutes les langues. On ne peut pas faire mieux que de vous guider et de vous montrer où ça se trouve. C'est dans la rubrique, je vous le rappelle, matériel de travail. Et vous avez donc ici les différents outils de promotion du projet qui est actuellement soutenu par SolarCo. Vous avez également les protocoles d'essai. Parfois, on nous demande des preuves, on nous demande si la technologie existe bien, est-ce qu'il existe des documents. Là aussi, les universités qui ont... fait des recherches sur les grands moteurs de chez du U9, eh bien, ont eu l'occasion de rédiger des rapports et ces différents rapports sont ici dans la rubrique et vous pouvez les télécharger pour montrer à d'autres personnes comment ça se passe. Vous avez également du matériel de promotion, vous pouvez réaliser vous-même des stylos, des t-shirts, des mugs, des bloc-notes, on vous donne des schémas. On vous montre comment faire ces produits publicitaires que vous pouvez bien sûr imprimer vous-même
il existe une boutique où on peut acheter des produits Solar Group aujourd'hui également, qui se retrouve dans cette rubrique, il me semble, que vous pouvez retrouver ça. Mais en dehors du fait d'avoir des stylos, des mugs et des t-shirts, vous pouvez aussi les faire fabriquer avec les logos que vous pouvez télécharger. Dans toutes ces rubriques, vous avez du matériel qui vous est offert et qui vous montre comment faire pour pouvoir réaliser tout ça. Nous allons passer à la rubrique des événements. Les événements sont en haut, donc dans votre menu, vous cliquez sur le menu et vous allez voir événements. Là, vous allez pouvoir visualiser les webinaires qui vont avoir lieu dans les différentes langues avec un calendrier. Il est indiqué les horaires. Souvent, c'est indiqué en GMT, GMT plus quelque chose. Là aussi, j'ai remarqué, notamment à l'occasion de ce webinaire de ce soir, il y a toujours encore des gens qui ne savent pas où ils habitent et quel est leur fuseau horaire. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne. Je crois qu'il faut se réveiller un tout petit peu et il faut savoir que son voisin a une heure ou deux heures en moins, que la Russie a deux heures ou trois heures de décalage par rapport à vous. Tout ça, c'est des choses importantes à savoir. On ne vit plus dans un carton aujourd'hui ou dans une caisse. On est ouvert sur le monde et on comprend comment ça fonctionne. Aujourd'hui, connaître les fuseaux horaires, savoir qu'il y a du décalage horaire, qu'il ne fait pas la même heure partout et que quand il y a marqué UTC, ça veut dire GMT et que l'heure GMT, c'est l'heure du soleil. Donc, si vous habitez en Côte d'Ivoire, eh bien, vous avez l'heure GMT. Si vous habitez au Bénin, vous avez GMT plus 1. Actuellement, si vous êtes en France, vous êtes en GMT plus 1 aussi, parce que nous sommes en hiver. Tout ça, ce sont des choses à savoir. La Russie est à GMT plus 3. Il faut le savoir. Souvent, on vous donne des horaires de webinaire, on vous donne des indications, et vous ne savez même pas quelle heure il est. Tout juste si vous savez quelle heure il est chez vous. Donc, vous m'excuserez, hein, c'est peut-être un peu dur à entendre parfois. Mais on est dans un monde moderne, et dans un monde moderne, on a même des téléphones où on peut afficher l'horaire d'un pays. Donc, vous pouvez rajouter un horaire sur votre smartphone. Il est telle heure chez vous, mais il est telle heure là-bas. Et quand on vous donne un horaire sur un horaire GMT plus quelque chose, eh bien, vous n'avez qu'à programmer ça sur votre smartphone. Comme ça, vous verrez l'heure. Et il y a encore des gens qui ont demandé tout à l'heure, c'est à quelle heure que ça commence, alors que c'est marqué que ça commence à 21h GMT plus 1. Mais pourquoi on pose la question? Parce qu'on ne lit pas, parce qu'on ne regarde pas, on ne regarde rien, et alors on doit deviner tout, et tout doit tomber du ciel pour les gens. On doit tout donner dans les forums, les PDF, les PowerPoint, les horaires, on doit tout vous donner jusque dans le bec pour que vous compreniez. Et ça, c'est des fois un petit peu usant. Quand on est dans un business, on se prend en main. On se prend en main réellement. Et on n'attend pas que ça tombe tout cuit. Vous comprenez? Il faut chercher l'information. Il ne faut pas toujours demander à dire « Es-tu à ceci? Es-tu à cela ?» Lis avant. Lis. Oui, il y a des textes à rallonge. Lis-le. Ne regarde pas juste les images. Tu es dans un business. Tu travailles. Quand tu es dans un travail, ton patron ne va pas faire ton travail à ta place. C'est à toi de le faire, le travail. Oui, je suis dur, mais c'est comme ça qu'on avance. Les événements, les réunions. Voilà la double rubrique des événements. Vous avez donc les webinaires, mais vous avez également les réunions physiques. Là aussi, il y a trop souvent des gens qui ne regardent pas. Ah bon? Il y avait une présentation dans ma ville et je n'étais pas au courant. Mais ça, c'est simplement parce que vous ne rentrez pas dans votre back-office. Vous ne rentrez pas dans votre compte. Vous fermez votre compte et tous les tremblements... Quand un jour, on vous dit que vous avez un retard quelque part, éventuellement, vous rentrez dans votre compte et vous dites que ça ne marche pas. Donc, c'est quand même important de rentrer un minimum dans son back-office et d'aller voir les rubriques et les informations qui y figurent.
dont notamment les webinaires qui sont annoncés dans toutes les langues, dont on vient de voir à l'instant. Vous avez également toutes les présentations dans les différentes villes avec toutes les indications, les adresses, les horaires, les numéros de téléphone des gens à appeler pour avoir les renseignements. Si parfois vous ne trouvez pas le lieu, parce que c'est des fois compliqué, certaines adresses dans certains pays, ce n'est pas évident. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez aller voir dans les événements et les réunions où c'est que ça se trouve et que vous puissiez vous rendre donc dans ces différentes présentations physiques. Les nouvelles des moteurs de Duinov. Là aussi, mais c'est vrai, personnellement, on diffuse beaucoup d'informations sur le projet. C'est mieux d'attendre la diffusion des documents qui sont souvent tournés dans un mauvais français. Et je m'efforce de faire les rubriques moi-même, de remanier les textes. Et si vous utilisez des textes pour les partager, essayez au mieux d'utiliser les textes que j'ai corrigés. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en langue française dans votre back-office, dans la rubrique « Nouvelles » et « Nouvelles » donc du projet en cours. La société organise donc toutes les semaines le résultat, organise des vidéos, organise également des textes d'informations sur l'utilisation du back-office, relate tout ce qui peut se passer dans le projet en cours et vous donne ces informations dans la rubrique nouvelles en langue française pour ceux qui parlent français et dans toutes les autres langues dont on a parlé donc tout récemment. Vous avez également une autre rubrique qui s'appelle la nouvelle Solar Group. Là aussi, c'est une rubrique un peu spéciale. Ce sont des actualités sur le monde de la finance. Ce sont des actualités qui sont données à titre indicatif et éducatif. Et parfois, des gens nous demandent quels sont les rapports entre lire un livre, quel est le rapport de la fusée de Elon Musk, quel est le rapport du millionnaire qui a gagné beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne voyez pas le rapport ? Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes dans un site internet où l'on gagne de l'argent? Est-ce que vous ne savez pas que nous gagnons de l'argent? Est-ce que vous ne savez pas que nous faisons de l'investissement? Est-ce que vous ne savez pas que les investissements sont également quelque chose dont il faut avoir un vocabulaire et une éducation? Est-ce que vous ne savez pas que nous travaillons dans la finance? Est-ce que vous ne savez pas qu'on verse de l'argent? Est-ce que vous ne savez pas qu'on gagne de l'argent? Est-ce que vous ne savez pas qu'on parle d'argent? Vous voyez, là, c'est un petit peu, je dirais, des gens un peu ignorants qui se demandent pourquoi on parle de finance, alors que nous sommes dans un domaine de la finance. Nous sommes dans un financement participatif populaire. Mais les gens pensent que nous parlons de cacahuètes, que nous parlons de fantômes, que nous parlons de choses qui n'existent pas, que nous parlons d'imaginaire, vous voyez ? Je me demande parfois si les gens ne sont pas un peu sur la lune, vous voyez, plutôt que d'être dans un business. Quand on travaille dans un business, on s'intéresse au business. On essaye de comprendre la finance. On essaye de savoir comment ça se passe une pré-IPO, comment un adolescent a fait des affaires et a gagné de l'argent. Quel est le rapport avec gagner de l'argent ? Hein ? Quel est le rapport avec gagner de l'argent? C'est bizarre. Vous ne voulez pas gagner de l'argent? Vous ne voulez pas savoir comment une autre personne a gagné beaucoup d'argent? Ça, je peux vous garantir combien de fois j'ai vu la réflexion des gens qui disent, quand on balance des textes de cette rubrique, quel est le rapport par rapport au projet de Unof? Mais on fait de l'investissement, les amis. Et si vous ne le comprenez pas, eh bien, lisez et faites un peu d'éducation dans cette rubrique pour mieux comprendre comment fonctionne la finance. L'activité des partenaires se déroule également sur les réseaux sociaux. Donc, il est important de partager, par exemple, les informations.
mais de partager des informations en y ajoutant son lien de parrainage, en fait. Parce que juste faire un lien, juste faire une parution, la copier, la coller, c'est des fois faire bénéficier à son voisin l'avantage de mettre son lien de parrainage, parce que lui, il n'a pas oublié de le mettre. Si vous partagez votre un message, n'oubliez pas de rajouter le projet et de rajouter votre lien de parrainage personnel pour que vous puissiez avancer, puissiez gagner de l'argent. Parce que Solar Group est là pour que vous-même, vous puissiez gagner de l'argent, pas juste en faire gagner aux autres. Donc, si vous avez effectivement un lien de parrainage que vous pouvez récupérer dans votre back-office, placez-le. Utilisez les informations que je diffuse. Faites un copier-coller des informations que je diffuse. Mais rajoutez de grâce votre lien de parrainage. Parce que sinon, vous allez faire de la publicité peut-être pour moi ou peut-être pour votre voisin qui a eu la bonne idée de mettre son lien de parrainage à lui. Et vous, vous allez le recopier bêtement à la place de mettre le vôtre. Vous comprenez ? Comme ça, vous allez faire de la pub pour les autres, mais pas pour vous. Et après, vous allez dire, ah, Solar Group, on ne gagne pas d'argent. Mais c'est normal, vous mettez le lien de parrainage de votre voisin. Mettez le vôtre. Vous partagez un texte et en dessous du texte, vous mettez votre propre lien de parrainage. D'accord ? C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Mais pas juste une fois. Pas juste mettre, oh, aujourd'hui, il y a un truc qui est apparu, ça me plaît bien, je vais le copier. Non, non, non. Pas seulement aujourd'hui, aussi les autres fois, toutes les autres fois, chaque fois que vous partagez, chaque fois vous devez mettre votre lien de parrainage, chaque fois il faut le mettre, pas juste une fois, pas juste copier-coller une fois, copier-coller tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'année, 365 jours sur 365, c'est comme ça. On gagne de l'argent avec Solar Group, pas en dormant, pas en ouvrant son back-office tous les 36 du mois, pas en ne regardant pas les informations, pas en ne partageant pas les informations. Vous devez les partager partout. Vous parlez bien de votre gâteau, de votre plat que vous mangez au restaurant, de votre grand-mère, du chien, de tout le monde, vous parlez. Vous devez aussi parler de Solar Group tous les jours. 365 jours sur 365. Voilà comment qu'on gagne de l'argent, les amis. Utilisez les messageries. Aujourd'hui, dans ma propre structure, il y a énormément de gens. Il y a des milliers de gens. Mais il n'y en a que 2000 sur Telegram. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que c'est la source officielle où les gens pourraient avoir sur leur smartphone immédiatement, tous les jours, des informations. Pourquoi les gens ne sont pas sur Telegram ? Pourquoi les gens ne sont pas dans les groupes WhatsApp ? Il y a des dizaines de groupes WhatsApp qui sont là. Pour chaque pays, on a un groupe WhatsApp. Mais non, mais les gens peuvent faire balancer leur propre pub de leur merde plutôt que de promotionner Solar Group. Oui, je suis vulgaire. Oui. Oui, je vous choque. Oui. Et j'ai raison. Parce que si on ne vous choque pas, vous ne faites rien. Eh bien, tous les autres petits business que vous balancez dans les WhatsApp et qui sont des trading de merde et des hype où vous allez perdre de l'argent, eh bien, laissez tomber tout ça. Promotionnez Solar Group. Stop toutes vos histoires là où vous allez chercher de l'herbe plus verte ailleurs. Cherchez et gagnez de l'argent avec Solar Group. C'est ça la réalité. Sur la page d'accueil, vous avez également les nouvelles officielles. Vous avez tout un ensemble de choses qui vous permettent d'aller sur les réseaux sociaux. Vous avez à gauche dans le back-office, et encore faudrait-il y rentrer, eh bien, les rubriques qui vous permettent d'aller sur les différents réseaux sociaux. Vous avez Facebook, YouTube, Telegram, Skype. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller également sur la chaîne Telegram si vous n'aimez pas les blabla. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chats. Et qui ne veulent pas forcément entendre et voir les blabla de toutes les personnes qui posent des questions, qui sont susceptibles d'ailleurs de poser au support. Et à ce moment-là,
vous pouvez aller sur la chaîne Telegram et n'avoir que des informations et il n'y a pas de blabla. Donc, vous avez toute cette rubrique, les sources et les nouvelles officielles, vous voyez à gauche, vous avez tous les liens qui vous permettent d'aller dans toutes les rubriques et de vous inscrire et à ce moment-là, de suivre les informations qui sont données chaque jour par moi-même et mon assistante qui vous balance cela dans les différents groupes WhatsApp et les groupes Messenger. Je voudrais vous parler du club de partenaires. C'est une communauté internationale des affaires et ce club a été lancé il n'y a pas tellement longtemps. Pour pouvoir y participer, vous devez avoir un sacré niveau. Vous devez vous décarcasser pour faire du chiffre d'affaires et on va voir ça tout de suite. Alors, les avantages du club de partenaires, c'est déjà un environnement fort parce que vous êtes entouré par des partenaires nationaux comme moi, comme Birdie, comme Johan, comme voilà Dimitri, Dimitra, des gens qui ont déjà un certain niveau dans leur pays. Et il y a maintenant des nouveaux partenaires nationaux. Il y a quand même quelques 11 pays qui sont ouverts. Ces partenaires nationaux, ce sont des gens qui bougent, ce sont des gens qui viennent dans les différents masterminds, qui participent à des grandes réunions et qui peuvent vous apporter des conseils non négligeables. Et cela, c'est quand vous êtes dans ce club de partenaires. Il y a une motivation financière parce que lorsqu'on est dans le club des partenaires, eh bien, on gagne plus d'argent que les autres. On reçoit des bonus, on reçoit des bonus de part, on reçoit des packs, on reçoit de l'argent. C'est relativement intéressant d'avoir des motivations. Vous avez également des formations, notamment je parlais de mastermind. Mastermind qui sont des rubriques qui sont effectivement diffusées sur les salles comme ce soir, salle Zoom. Mais pour pouvoir y accéder, eh bien, vous devez faire partie du club et pouvoir aussi voyager. Mais les voyages sont un peu en option en ce moment, dans la mesure où on a un problème de coronavirus et qu'on ne peut pas être partout. Je voudrais vous donner les conditions d'adhésion au club. Vous devez avoir un revenu mensuel. Alors, quand je parle de revenu mensuel, il s'agit bel et bien pas de chiffre d'affaires, mais de bonus de partenariat. Et ce bonus de partenariat, eh bien, vous devez atteindre 1 000 $ pour en tant que master, 2 500 $ en tant qu'expert et 5 000 $ en tant que professionnel. Le montant mensuel des investissements personnels doit être de 100 $, soit 10% de ce que vous gagnez, et 250 $ pour un expert et 500 $ pour un professionnel. C'est donc l'investissement personnel que vous devez faire par mois, sachant que le plus compliqué à réaliser pour avoir les conditions d'adhésion à ce club, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires, non pas chiffre d'affaires, hein, je précise, c'est pas chiffre d'affaires, c'est les bonus de parrainage. Donc, c'est vraiment l'argent que vous gagnez. Vous devez gagner 1 000 $ par mois en tant que master, 2 500 en tant qu'expert ou 5 000 en tant que professionnel pour faire partie du club des partenaires. Mais les avantages sont nombreux et vous faites un peu partie de l'élite, je dirais, des gens qui participent. Remplissez les conditions régulièrement tous les mois, tout au long d'un trimestre, parce qu'il faut faire ça sur une durée de 3 mois pour pouvoir accéder à ce fameux club. Oui, c'est vrai que c'est un peu privilégié comme club, mais ma foi, c'est très intéressant de pouvoir y participer. L'environnement fort, le voici. Ce sont les différentes personnes qui sont partenaires nationaux qui peuvent vous apporter beaucoup de choses, notamment dans les conseils qui sont donnés. Ce soir, c'est une première dans Solar Group de vous présenter le club de partenariat, de vous présenter les rubriques du back-office, de vous parler de gains d'argent possibles immédiatement. Parce qu'il y a encore tellement de gens qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent avec Solar Group que je vous invite à leur partager le replay très certainement que je vais mettre en ligne concernant cette soirée. Et nous ferons tous les mois une rubrique de ce genre-là pour que vous puissiez vous aussi inviter des gens
à comprendre le partenariat et à participer au parrainage pour gagner de l'argent. Les motivations financières, les voici pour le club de partenaires. Vous avez un bonus de 1% sur la première ligne supplémentaire. Vous avez un bonus de 1% sur la deuxième ligne. Une récompense unique lors de l'obtention d'un nouveau statut. Vous recevez 500$ en espèces, donc qui vous sont versés sur votre compte principal, bonus, ou enfin, bonus, il me semble. Vous avez également statut de professionnel où vous allez percevoir 1000$. Un bonus pour dépasser des qualifications deux fois au cours du trimestre. Si vous avez fait deux fois le chiffre, eh bien, vous obtenez un paquet ou un pack d'investissement d'une valeur de 1000$ avec un escompte à l'étape actuelle. C'est donc le cadeau qui vous est offert si vous doublez la mise de ce qui est proposé. Des formations. Personnellement, j'étais déjà à Moscou, nous avons suivi des formations. Si vous venez à Moscou, vous avez également des formations avec des traductions dans votre langue. Je vous rappellerai que cela concerne une élite de gens qui rentrent dans le club des partenaires, mais vous êtes amené ensuite à voyager, à venir rencontrer des gens lorsque ce sera de nouveau possible, dans la mesure où, vous le savez, les excursions en groupe sont suspendues actuellement. Il était question d'aller faire du quad, du parapente, du rafting. Voilà, c'est ce qui devait se dérouler actuellement, là, au début du mois. On devait être à Moscou. Et puis, ça a été annulé parce que, vous le savez bien, les conditions de coronavirus ne permettent pas de voyager actuellement et de faire des activités de groupe. Cela est fortement déconseillé. Et c'est la raison pour laquelle ces activités ont été reportées à l'année prochaine. Voilà donc pour les voyages du club, les voyages où vous allez avoir l'occasion de rencontrer des dirigeants de la société. Vous voyez par exemple ici Pavel Chatsky ou alors également Sergei Semyonov, qui est le directeur, le CEO, le PDG de Solar Group, que vous pouvez rencontrer en venant en Russie et en faisant partie effectivement de ce club d'élite. Voilà, devenez partenaire, gagnez de l'argent avec nous, suivez les bons conseils que je vous donne. Soyez vigilants et comprenez le business. Parrainez jour après jour. Bâtissez votre structure, pierre après pierre, filleul après filleul, et gagnez de l'argent chaque jour en promotionnant le projet actuel des moteurs de Unov. N'oubliez pas que après le projet des moteurs de Unov, les structures sur la groupe continuera à exister et nous aurons d'autres projets qui seront proposés à ce moment-là et pour lesquels vous allez pouvoir participer. Je vous remercie de m'avoir suivi cette explication. Il me semble qu'il y a une ou l'autre question qui ont été posées. Alors, je vais essayer de voir si je vais retrouver l'ensemble donc de ces conversations. Alors, bonsoir. Donc, je vais arrêter là et je vais revenir sur la rubrique. Alors, est-ce que Solar Group pourra permettre qu'on attribue les 100 parts aux personnes qui rentreront par notre lien dans nos diffusions d'actualité dans les réseaux sociaux? Non. Ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle un lien de parrainage. Si vous voulez utiliser les 100 parts, vous devez aller dans votre propre back office et vous devez à ce moment-là demander à la personne de vous donner les coordonnées, adresse email, numéro de téléphone sans avoir déjà utilisé les mêmes et ensuite de pouvoir aller donc dans votre back office et les inscrire vous-même. Voilà, c'est très important. Donc, sachez que vous-même, en faisant cette opération, vous gagnez aussi 100 parts. Ne l'oubliez surtout pas. Tu ne m'as pas offert les 100 parts gratuits. Mais il y a les privilégiés et il y a les non privilégiés. Voilà. Il y a les gens avec qui on est en contact. Souvent, c'est ce qu'on appelle
les prospects chauds que vous connaissez, et les autres, c'est les prospects froids. Donc, oui, tu ne m'as pas offert les 100 parts, mais parraine et offre des 100 parts à 50 personnes et tu auras 5000 parts gratuites. Vous savez, les gens ont toujours des bonnes excuses. Je n'ai pas fait la vérification, j'ai perdu 100 parts. Mon Dieu, c'est un drame. Non, ce n'est pas un drame. Vous devez travailler. Et si vous offrez à 50 personnes, vous avez 5000 parts à la place d'en avoir 100. C'est comme ça qu'il faut se rattraper. Pas juste toujours critiquer et dire « Je n'ai pas eu mes 100 parts. Ah, je n'ai pas eu mes 100 parts. » Et alors, achète un pack à 1 000 $ et tes 100 parts, tu ne les verras même pas. Tu ne demanderas même plus. Achète un pack de 1 million et tu n'as même pas besoin de réfléchir à tes 100 parts. Offre 50 fois 100 parts autour de toi, par mois, et tu récolteras 5000 parts par mois. Tu vois, c'est pas compliqué. À la place de dire, je n'ai pas, fais et tu auras 10 fois, 15 fois, 50 fois plus. Mais il faut faire, pas dire un demain. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'invite particulièrement les Béninois à venir me retrouver demain en salle. Oui, nous avons une belle salle qui nous permet de faire des présentations en Bénin. Et je souhaiterais que vous puissiez participer à ces présentations. Nous allons encore réussir à donner des replays pour les gens qui ont réussi à nous suivre. Nous donnerons également physiquement des conseils aux gens qui viendront nous voir dans la salle de conférence à Squabedo, du côté donc de Cotonou. Et ce sera demain à 13h pour ceux qui nous ont suivis ici. Merci beaucoup pour votre participation. C'était une première dans ces explications et je reviendrai largement là-dessus. Et j'espère que vous allez suivre les bons conseils que je vous donne parce que c'est comme ça qu'on réussit et c'est comme ça qu'on avance. Excellente soirée avec Solar Group et à très bientôt.